Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous accompagner dans l'ouverture dans les règles de l'art d'une bouteille de vin blanc. Bien vous indiquer aujourd'hui l'importance d'inciser en dessous de la bague. Ainsi, le vin ne sera jamais en contact avec justement la capsule de surbouchage donc, qui a été au contact de l'air, toujours un peu qui est oxydée et qui peut présenter justement un problème au niveau justement du contact entre le vin donc, et l'étain. Une fois la capsule de surbouchage incisée, bien sûr, on va doucement insérer la vrille donc, au centre du bouchon et favoriser une extraction vraiment des plus faciles. Alors comme vous le voyez, la vrille n'a pas transpercé le bouchon et permet justement d'extraire le bouchon, mais de manière très 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 très, très simple, facile et surtout plaisante. Alors, le bouchon ne présente aucune odeur suspecte et on peut maintenant procéder à la dégustation. Et le vin est exemplaire et présente aujourd'hui un superbe profil dû justement au superbe travail du vigneron sur son terroir.